pas un sénateur dans l'Assemblée qui pas connaît compte rendu dans sa totalité. Parce que généralement, tout compte rendu que nous faisons, c'est compte rendu succinctement et compte rendu intégral là, tellement volumineux, là, extrêmement difficile pour que nous baillons lecture de lui-même. Parce que c'est les moindres détails, les moindres gestes, les moindres paroles, tout supposé inscrit. Alors que là, c'est un résumé de ces instants que toujours produit dans le rapport succinct, ou bien procès verbal succinct de séance. Pas de moyen que pendant la séance, là, nous sommes capables de volumineux à tout. Parce que c'est très simple, on résumé, qui doit son sélection. Généralement. Non, moi, pas gain ça, pour être qui ça, parce que c'est ça que fait, dans tout sénateur participer dans la séance, là, lors les contraintes du succès, là, où elle reflétait exactement la réalité. Hein. Si par exemple, vous parlez là, vous êtes capable de prendre doute sur la réalité. Hein. C'est exactement tout ça qui planait dans l'esprit et me comprendre la position. Très bien. Mais un compte rendu intégral, ça prendra un mois pour le préparer, généralement. Parce que c'est tellement volumineux et on ne peut pas retirer un rien dans ce que tu dis dans la séance. Il y a une différence entre procès verbal et compte rendu. Un compte rendu est pratiquement toujours succinct, alors que le procès verbal retrace, n'est-ce pas, et toute la minute. Donc il y a une différence sémantique qu'il faut établir entre un procès verbal et un compte rendu. Très bien. C'est l'adjectif qu'il faut seulement enlever. Ok, encore le sénateur Dumont. Que ce procès verbal, vous avez dit, que vous avez dit, malheureusement, ou compte rendu, le compte rendu étant de toute façon un compte rendu. Et cela, l'IBAI ont idée de ce que t'es dit et de ce que t'es fait. Et idée ça, Guédois, c'est yon idée. C'est pas les idées. Donc, si il y a possibilité pour procès verbal séance là disponible, moi je pense que là, extrêmement important pour nous. Et généralement, procès verbal, il y a toujours toute procès verbal, toute séance. De quelque nature que l'IA est toujours disponible aux consultations. Et par contre, pour donner une idée, je dis bien, de ce qui était dit dans la dernière séance et disposition qui était adoptée, nous avons innové à Nessa et nous venons avec la pratique pour nous gagner un compte rendu succinct de dernière séance. S'il faut peut-être corriger formule là, ou bien façon peut-être que nous faisons là, en conférence des présidents, nous avons toujours mis nous d'accord et puis nous corriger façon que nous avons fait là, je n'ai jamais dit. Mais je comprends l'appréhension, qui a toujours au moins une idée exacte de tout ce qui est passé, en façon pour que vous soyez plus à l'aise dans la prise de position. Il a fait rappel, il a fait ajout. Certainement. Encore en discussion. Sénateur Latortue. Merci. Merci, Président. Salut, membres de Ouyo, et collègues. Président, dans point 6, là, c'est lecture du compte rendu succinct de la séance du 1er février. Je voulais dire que la séance est encore maintenue. Et la séance du 1er février, le 31, c'est en séance. Séance santé en continuation. Et c'est le 31 janvier. La séance du 1er février dont fait allusion, c'est la séance qui a permis à l'Assemblée des sénateurs d'adopter la résolution sur le rapport Petro-Caribé. Et c'est séance, compte rendu séance ça, que nous allons permettre à l'Assemblée de prendre connaissance de lui et pour l'Assemblée à engager débat et discussion sous lui et pour que l'Assemblée de façon souveraine eh bien décidé sous lui et tel que nous t'ai décidé ensemble dans
retraite que nous avons organisée. Sénateur Sénatus. Merci, Président. Toujours en discussion. Oui, merci, Président. Salut au Président, salut aux collègues. Moi, si je comprends une réponse qu'on a à sénateur La Tortue, c'est que dans le compte rendu 1er février, on a censé gagner deux comptes rendus. Compte rendu matin 6h et compte rendu ça que tu fais dans l'après-midi. Non. Il laisse le tableau pluriel. Non. Compte rendu que nous avons gagné, c'est compte rendu de la séance du jeudi, la séance statutaire qui était. Ouais, que permettre l'Assemblée sénatoire décider sur question était adopter résolution sur Petro-Caribéen. Mais la séance du 31, c'est pas les mêmes qu'il a. Pourquoi? Parce que dans la séance du 1er, on avait permis à l'Assemblée des sénateurs de non seulement prendre connaissance et prendre lecture, débat et lecture à l'Assemblée sénateur de séance 31 et l'Assemblée sénateur a été sanctionnelle. Alors, à séance ça, Assemblée sénateur a pour que j'aime sanctionner. Okay. Et c'est ça que fait, l'on te baille les tuyens, te baille à huis clos. Et par conséquent, il était dans un cadre informel. Okay. Et tel que où tu es sollicité, et tu es mandé, et tant que retraite là décidé sous lui, je ne veux dire, nous va le permettre que l'Assemblée sénateur prenne connaissance de manière formelle et officielle de compte rendu ça, qui c'est la. Le compte rendu de la séance du 1er février. Président, est-ce que ça a dérangé l'autre des choses si on t'a metté ou t'a permis de gagner un compte rendu de séance 31 vu que le 1er février, moi-même personnellement, je bat là. Moi, comprendre ou dit que nous n'avons pas lecture à la séance ça, mais comme nous ne voulons pas parler de séance spéciale. Nous voulons garder ensemble avec vous. Est-ce que, avec collègues bien sûr, est-ce qu'on lecture de compte rendu 31 pour arriver 1er février, est-ce que la déranger l'autre des choses? Sinon, moi-même, je souhaité que nous baillons lecture de deux comptes rendus. Vu que, sénateur. Excusez-moi. Oui. 31. Qui était fini avec information courante, non? Et le premier, côté nous avons repris le travail. Là. Ça va permettre plus ou moins, non pas perdu, fil, discussion que tu as faite dans le 31 pour arriver premier jusqu'à information courante. Merci, Président. Il y a d'abord le sénateur Frostet, c'est bien ça? Non, le sénateur Sourel, excusez-moi, et ensuite le sénateur Dumont. Vous avez terminé avec votre intervention, le sénateur La Tortue. Très bien, merci. Président, on peut toujours corriger parce qu'on a ce droit. Mais encore une fois, je reviens vous dire, Président, faisons de cette séance une séance spéciale. Dans la retraite, nous discuter, nous convenus pour nous discuter des points vraiment spéciaux. Donc, on peut toujours les changer. Mais en nous rester sous ça, nous t'es dit, entre nous, que n'a pas faire. Merci, Monsieur le Président. C'est à toi, Dumont. Oui, Président. Ça, c'est la peur. Réalité qui rend la vie nous difficile là, dans le Sénat. C'est même bagaille. Promotion ou non? Nous avons dit c'est même bagaille qui gagne entre le rapport La Tortue et le rapport Beauplan. Pas gagner un rapport La Tortue et puis un rapport Beauplan. Gagner un rapport finalement La Tortue Beauplan. Et de même, 31 janvier, 1er février, c'est une seule séance. D'ailleurs, on se dit là, en continuation.
Donc, si nous pas connaissons ce qui est passé le 31, du 31 au 1er, nous pas connaissons ce qui est passé, nous pas comprendre ce qui est passé le 1er seulement. Très bien. La nuance, c'est que ce rapport a été déjà sanctionné par l'Assemblée des sénateurs le 1er février, la séance du jeudi 1er février. Vu que l'Assemblée sénateur a été sanctionné le rapport là, nous pas capable de prendre le rapport ça là encore pour nous remettre la lecture et puis pour l'Assemblée à sanctionner. À moins que des sénateurs, tant que Jean, sénateur, sénateur, dit là, il a un droit, dans l'ordre du jour, lui demander n'importe qui séance 25 avril 2007, si c'est lui-même que la jeune des éléments importants donne pour être capable d'argumenter, il doit toujours demander pour lui prendre connaissance. Merci. Si nous sommes dans l'Assemblée, hein, nous avons dit, même avec le sénateur Sénatus, nous comprenons, nous coupons le micro. Alors. Il n'y a pas fait micro-président, ça. Alors, la réalité, c'est que si sénateur Sénatus, tant qu'au au même tour, sénateur Dumont, vous souhaitez prendre connaissance de compte-rendu ça, n'a pas capable toujours demander ce secrétaire général là pour lui faire pour faire venir en copie de compte-rendu séance ça et remettre à chaque sénateur qui souhaitait gagner sous yeux ça qui t'est passé jour ça. Mais en fait, ce procès-verbal, ce compte-rendu a été sanctionné par l'Assemblée le 1er février. Alors, secrétaire général, on va remettre quand même pour édification sénateur, pour être capable de permettre que gagner deux copies compte rendu séance 31 janvier, pour mettre à la disposition des sénateurs Dumont et sénateur Sénatus. Et ceci, c'est séance tenante. Sénateur Latortue, trois copies. Merci beaucoup, Président. Merci. Toujours en discussion. Le sénateur Salomon sollicite la parole, Monsieur le Président. Sénateur Salomon. S'il vous plaît, sénateur Salomon. On demande des techniciens pour les régler. Micro pour nous, pour sénateur. Sénateur Salomon a la parole, mais micro n'a pas fonctionné. Encore une fois, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, distingués membres du bureau, chers collègues de l'Assemblée, la proposition d'ordre du jour, certes, est mise en discussion. Mais cependant, m'a pas tiré attention nous sur un fait qui est extrêmement grave qui passe actuellement. Et nous pas aimé que l'histoire répétée et m'a parlé de situation que compatriotes nous yo en République dominicaine, particulièrement à Santiago, à Vive. C'est vrai, ça n'a discuté là, extrêmement important. Même penser que, puisque il y a un péril en la demeure, puisqu'il y a célérité dans l'urgence, on a proposé, Monsieur le Président, chers collègues de l'Assemblée, pour que illico ta gagné yon invitation, ou plutôt une convocation du ministre des Affaires étrangères et des cultes. Non seulement pour capable expliquer nous qui mesure, qui prend pour éviter que massacre
qui était faite en octobre 1937, là, le fameux massacre du Percy, parce que nous avons imagé sous forum, non? Et toute population a imagé, des Haïtiens en situation régulière, des étudiants de surcroît, dominicains, sabotés, ils ont forcé à chirer le drapeau haïtien, qui est symbole patria, et leur fini, ils ont bimé à coup. Monsieur le Président, permettez que j'extrapole. Même t'as aimé que l'Assemblée sénateur statue rapidement sous dossier ça, encore une fois, pour éviter un bain de sang. Et sous frontière là, et en République dominicaine, qui pas fait honneur à la nation. Et m'espérer que l'autre collègue va l'adhérer à la proposition. Là. Merci. Sénateur. Allez-y, sénateur Naoum. Merci, monsieur le Président. Les honorables membres, les collègues de l'Assemblée. Et sénateur Salomon va venir à la réunion, cependant, une correspondance qu'il a jeune ministre de l'Assemblée, sous sa promenade, au cher président. Merci. Très bien. Sénateur Kedler. Ensuite, sénateur. Merci. Monsieur le président de la commission des affaires étrangères, maintenant, mais que non, ce n'est pas ministre des affaires étrangères seulement, tout le monde nous invité ministre des Haïtiens vivant à l'étranger également. Merci. C'est déjà fait aussi, collègue. Merci. Très bien. Vous êtes toujours. Président, une minute, s'il te plaît, président. Je salue tout le monde avec tous les collègues. Et je suis pas motion de développement à l'heure, mais pas le micro. Et le sénateur Dumont, avec l'autre sénateur qui a marché, dit que le Sénat a un problème. Président, moi, ça. Nous avons fait le moins pour essayer de dire. Nous avons un problème à résoudre entre nous. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Allez-y. Laissons le passé enterrer le passé. Laissons le passé ensevelir le passé. Mais. T'as suggéré, collègue, là, pour nous avancer. Même, ou pas même temps de me finir parler. C'est seulement vous voulez dire que ça, collègue, là, t'a dit, hein, que nous passons sous lui déjà. Il n'y a pas besoin de continuer à dire devant le micro pour penser son balier. C'est avant, il y a mal l'église, premier sang, on nous dit, on nous a un problème entre nous. Il n'est pas possible. L'ordre du jour est toujours en discussion. Toujours en discussion. À l'ordre du jour. Merci bien. Président, nous avons un problème entre nous. Nous avons un problème dans qui gens nous résoudre gros problème pays. Nous n'avons pas de problème entre nous. Ça veut dire que les mouens, n'importe qui dans 28 collègues, nous comptons nous saluer. Eh bien, je ne suis pas de tête. Je suis dans 28, je vous me dis, frère. Alors, le problème qui gagne, c'est un groupe qui voulait résoudre un problème. Il y a un gens, un autre qui voulait pour le résoudre, un autre gens. Et les bons. Que nous reconnaître parce que nous gagnons un gros désaccord ça, nous chita ensemble pour nous dire meilleurs gens pour nous évacuer désaccord, c'est chita pour nous débattre, pour nous parler les yeux dans les yeux, pour nous dire la vérité au bénéfice du pays. Très bien. Sénateur Foucan, vous terminez s'il vous plaît avec votre intervention. L'ordre du jour est une dernière fois mis en discussion. Très bien, Président. Et mise au vote. Ceux qui sont pour, levez la main, s'il vous plaît. Merci. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. 15 pour, 0 contre, 2 abstentions. L'ordre du jour est adopté. Premier secrétaire, veuillez nous donner lecture du premier point à l'ordre du jour. Lecture de la correspondance. Nous gagnons tout un ensemble de
de correspondance que nous recevons et qui est à la disposition bureau premier secrétaire là, qui autorisé pour les banaux lecture une après l'autre. Monsieur Joseph Lambert, président, Sénat de la République, en ses bureaux. Monsieur le président du Sénat, le ministère de l'économie et des finances vous présente ses compliments et a l'honneur de vous transmettre un document relatif aux statistiques des exonérations douanières accordées sur les 5 derniers exercices fiscaux, soit 2012-2013. À 2016-2017. Il figure également les noms des 10 plus grands bénéficiaires par secteur. Le ministère de l'Économie et des Finances vous prie d'agréer, Monsieur le Président du Sénat, l'expression de sa haute considération. Jude Alex Patrick Salomon. Merci. Il faut dire que c'est une demande qui était produite par le président de la commission éthique et anticorruption et qui était mandé bureau pour solliciter du ministère de l'économie et des finances la liste de tous les bénéficiaires, généralement quelconques, de monde qui de bénéficiaires de exonération fiscale, impôts et autres, etc. Et ministère de l'économie et des finances pas prend temps pour les transmettre nous liste exhaustive avec bien sûr montant de toute exemption fiscale que vous gagnez et qui est disponible et nous demander pour que le président de la commission éthique anticorruption prend possession officiellement de documents. N'a demandé par la même occasion. N'a demandé par la même occasion à président commission financement pour lui gain copie ça disponible pour lui le président de la commission des finances le sénateur Belizer. Il faut lui bien informé bien imbu de tout ça qui a passé généralement quelconque depuis le gain à faire avec finance le sénateur Belizer. Président, allez-y sénateur. Est-ce que l'hypata possible hein, pour chaque sénateur ou président de commission planification a gagné une copie bien de l'ISA. Bien sûr. Merci. Et on a profité de circonstances pour nous dire, même lorsque document ou bien information ça a été sollicité par une commission, mais information dont le Sénat a disposé est disponible pour tout sénateur sans distinction ni exclusive. Et on a demandé secrétaire général là, pour les prendre disposition pour l'imprimer et pour permettre que chaque sénateur en possession des documents ça. Merci beaucoup monsieur le président. Tout sénateur généralement quelconque. Président du Sénat de la République en ses bureaux. Monsieur le président, le sénateur Valière Beauplan s'empresse de saluer votre dynamisme et votre dévouement à la tête du Sénat de la République. Il profite de cette correspondance pour vous informer de son déplacement pour des raisons de santé. En effet, il sera disponible dès son rétablissement. Comptant sur votre collaboration, le sénateur Valier Beauplan vous prie, Monsieur le Président, de recevoir ses salutations patriotiques. Je profite pour nous dire que non seulement l'informer Bois formellement, mais nous avons opportunité tout pour que nous discuter ensemble avec lui par téléphone et pour des raisons de santé, d'obliger à faire un court déplacement. Et nous souhaitons lui, dans nos collègues, déjà un bon rétablissement. Ministère des Affaires étrangères et des cultes. Le ministère des Affaires étrangères présente ses compliments au Sénat de la République et a l'honneur de lui faire parvenir sous ce couvert la note du 19 février 2018, par laquelle le consulat d'Israël en Haïti transmet une lettre de félicitations datée du 15 janvier 2018 de M. M.K. Yuli Yoel Edelstein, président du Parlement israélien, adressée à l'honorable Joseph Lambert suite à son élection comme président du Sénat de la République.
la chancellerie saurait gré au Sénat de bien vouloir acheminer la dite lettre à son haut destinataire. Le ministère des Affaires étrangères saisit l'occasion pour renouveler au Sénat de la République l'assurance de sa haute considération. Port-au-Prince, le 1er mars 2018. Ministère de la Planification et de la Coopération externe, au bureau du Sénat de la République. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe présente ses compliments au bureau du Sénat de la République et a l'honneur de l'informer que les inscriptions au programme des bourses de l'Organisation des États américains, OEA, relatifs à des offres en maîtrise et en doctorat pour des études qui se déroulent entre août 2018 et avril 2019, sont ouvertes. Le bureau du Sénat est invité à désigner des candidats conformément aux instructions formulées sur le site www.oas.org/bcas. Les dossiers de candidature devront être acheminés au ministère de Planification de la Coopération externe avec copie au service de formation. Direction de Coopération externe avant la date limite fixée au 9 avril 2018. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe saisit cette occasion pour renouveler au bureau du Sénat l'assurance de sa considération distinguée. Pour correspondre ça avec tout document qui est attaché à lui-même, on a demandé au secrétaire général là encore pour gagner une copie qui est distribuée à chaque sénateur. Si auquel cas où il serait intéressé, comme de fait on connaît, il y a intéressé à un programme boost du genre pour leur mandat. Monsieur le Président. On va faire débat sur lui, non? Dans la lecture correspondance. Demandez où on l'a pas. On va faire là. C'est la lecture. Ben, allez-y quand même, sénateur. Président, commission planification là. Commission a bel et bien existé. C'est vrai au généralisé, mais la commission est bel et bien permanente et présente. Merci, monsieur le président. Nous avons acte son manquement vrai et son dérogation. Et nous demandons surtout de transmettre à la commission planification hein, et correspondance avec tout document qui est annexé. L'affaire œuvre qui vaille de document ça. C'est bien quand même. Allez-y, vous pouvez continuer. Ministère de la Planification de la Coopération externe, au bureau du Sénat de la République. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe présente ses compliments au bureau du Sénat de la République et a l'honneur de l'informer que les inscriptions au programme des bourses de l'Organisation des États-Unis, OEA, relatifs à des offres en maîtrise et doctorat pour des études qui se dérouleront cette fois-ci en août 2018 et avril 2019 sont ouvertes. Le bureau, veuillez m'excuser, je lis la mauvaise correspondance. Je reprends. Ouais, moi, au replay, il dit. Ouais. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe présente ses compliments au bureau du Sénat de la République et a l'honneur de lui faire parvenir le programme de l'Organisation des États-Unis en OEA en partenariat avec le gouvernement de la République de Chine relatif à des bourses de première, deuxième et troisième cycle dans les universités chinoises à travers le Partnership Programme for Education and Training, PAEC. Le BCER est invité à désigner des candidats conformément aux critères d'admission définis dans le document de cours joint à la présente. Et le document est là. Les candidats sont priés de bien vouloir lire attentivement le document explicatif avant d'appliquer. Il est à noter que le ministère de la Planification et de la Coopération externe n'est pas impliqué par les demandes de preuves de fonds et ne garantit aucune couverture financière. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe saisit cette occasion pour renouveler au bureau du Sénat de la République l'assurance de sa haute considération. Toujours à la commission planification.
C'est à toi la tortue. Merci, Président. Président, juste par rapport à la correspondance là, monsieur, vous et nos entreprises avec chiffre montant, les gens disent qu'ils vous égarer parce que vous avez un document qui habilite l'entreprise à la franchise là et toute marchandise qui rentre, c'est le ça, nous avons fait le contrôle là. Donc, je demande au Président pour nous demander de compléter pour nous. Mandez au document qui habilite au franchise là et deuxièmement toute marchandise qui est entrée pendant les 5 dernières années pour nous vérifier est-ce qu'il y a aller avec franchise que bayo. Merci président. Très bien, nous prenons note et bureau plus particulièrement après mandaté vice-président pour que les travaille sur dossier ça. Dernière correspondance. Au bureau du Sénat de la République, avenue Marie-Jeanne Port-au-Prince Haïti. Du comité des étudiants de la deuxième année du département philosophie et sciences politiques de l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti, IERA. Demande de visite guidée. Messieurs les membres du bureau, le comité de la deuxième année du département de philosophie et sciences politiques de l'Institut d'études et de recherches africaines d'Haïti de l'Université d'État d'Haïti vous présente ses compliments pour vos travaux si remarquables que vous effectuez au sein de la communauté. Dans le cadre d'un cours sur l'administration publique haïtienne offert aux étudiants du dit département et dans le souci de répondre à notre mission qui n'est autre que faire des recherches et de documenter sur les problèmes qui font rage dans notre société, nous avons l'honneur de solliciter de votre haute bienveillance l'octroi d'une visite guidée au sein du Sénat aux heures qui vous seront convenues. Cette visite nous permettra de recueillir des informations relatives à l'historicité et au fonctionnement du Sénat de la République. Espérant que vous comprendrez le bien fondé de notre démarche, nous vous prions, messieurs les membres du bureau, d'agréer l'assurance de notre respectueuse considération. Merci beaucoup. Deuxième secrétaire, deuxième point à l'ordre du jour. Deuxième point, mot du président. Merci, collègues. Nous tout d'abord féliciter présence tout sénateur qui l'a. Et en même temps, pour moi, rappeler que dans la dernière conférence des présidents, nous avons une autorisation que nous avons bénéficié de président même, plus particulièrement de l'ensemble président. Yo, pour que l'ordre du jour qui est en continuation, pour nous-mêmes dans le bureau, opportunité pour que nous ajournions votre projet de loi sur municipalité. Ça permet nous gagner non seulement sortir dans la séance qui est en continuation et proposer à chaque fois un ordre du jour qui répond à urgence ou bien à besoin. Nous entendons par là un ensemble de lois que nous gagnons pour nous faire adopter au niveau Sénat et des lois qui, pour nous-mêmes, extrêmement importantes pour le pays. Nous avons cité, entre autres, le code pénal, le code de procédure pénale, qui déjà n'en stade très avancé au niveau de la Commission justice, et qui très certainement gagne pour lui faire une présentation par ensemble sénateur pour indiquer la meilleure façon pour approcher la loi. N'a profité de circonstances pour nous dire, pour approcher votre loi. N'a profité de circonstances pour nous dire, commission a été mettée pendant la retraite là, des copies de loi ça disponibles pour tout sénateur. Et tout sénateur qui n'a pas disposé de copies, il aura toujours adressé ou bien secrétariat général là, ou dans un certain sens, à président de la commission justice et sénateur Sénatus, qui permettre que au moins nous gagnions des lois disponibles, des projets disponibles, pour nous capables de faire une première lecture avant peut-être que nous commencions à débattre sous lui en assemblée. Nous avons profité de circonstances en tout pour nous dire que nous allons peut-être une priorité à la loi qui est votée par la Chambre des députés.
et qui transmettent les banaux. Et gagne un ensemble de lois tout que nous estimons qui là et qui a un rapport avec l'éducation, qui a un rapport tout avec commission justice plus particulièrement. Et une loi ça yo, c'est loi sur assistance légale. Chambre députée a voté, il produit des modifications là-dedans. Nous avons là en deuxième lecture au niveau du Sénat de la République. Et par conséquent, il est impératif pour que la commission de justice a saisi de lui pour être capable de travailler sur lui en commission pour être capable de présenter nous un rapport à l'Assemblée le plus vite que possible pour que définitivement nous fassions le projet de loi, ça, en loi, tout bon vrai. Et troisième point que nous avons besoin d'aborder avec nous, c'est la question de franchise. Donc, transmission dossier en fait par la commission concernée anticorruption, finance pour information et besoin d'enquête. Et nous prenons acte de demande qui produit par le président La Tortue sous nécessité pour que nous ayons un dossier complet et par conséquent le vice-président chargé pour que les assurés suivent ça. Et pour nous permettre que nous entrer, nous continuer avec ordre du jour là. Nous connaissons que tu gagnes, dans la retraite là, tu as un ensemble de dispositions que nous adoptées. Nous sommes capables d'ordre du jour ça, un ordre du jour un peu particulier, si je peux dire ça ainsi. Et Liboal m'a demandé déjà à collègues sénateurs pour faciliter le bureau. Non, conduite séance ça. Deuxième secrétaire, troisième point à l'ordre du jour. Point 3. Transmission des projets de loi à voter à la Chambre des députés, aux commissions finances et éducation. Également la commission justice. Un appel des sénateurs sénatus, pour le Tavine prend projet de loi. Sous création, organisation et fonctionnement du Conseil national, il y aurait l'élite d'assistance judiciaire pendant que de gagner l'assistance légale. Sénateur Sénatus. Nous demandons aussi au président de la commission éducation du Sénat pour le capable de prendre un projet de loi, ça, un projet de loi établissant le service social pour les étudiants des universités bénéficiant du financement public. D'a demandé pour la commission de faire diligence pour que nous travaillions rapidement et permettre que le Sénat, l'Assemblée, a prononcé. D'a demandé à la commission finance, et la commission finance, du pain sur la planche, on a 5 projets de loi déjà votés à la Chambre des députés. Et m'a précisé qu'il y a ces projets de loi portant création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée et refonte du droit des sociétés. Projet de loi sur le bail à usage professionnel. Projet de loi relatif à la protection du consommateur, projet de loi portant vous dites bon, je dirais commerce et finance parce que c'est le même, c'est la même commission, c'est la même commission. Projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux, ça c'est pour, et projet de loi réformant le droit des sûretés. Le droit des sûretés. Le droit des sûretés, c'est la justice. Oui, ni régime matrimonial. Justice. Régime matrimonial et droit des sûretés. Régime matrimonial et droit des sûretés. Très bien. Sénateur Sénatus, vous avez 2 autres projets de loi. C'est le projet de loi portant réforme des régimes matrimoniaux,
voté par la Chambre des députés, et projet de loi réformant le droit des sûretés. Vous avez deux autres projets. Sénateur Bélizer. C'est ça. Merci. Oui, secrétaire, prochain point à l'ordre président, du jour. Président. Oui, sénateur La Tortue. On a tout un ensemble de propositions de loi à la Chambre des députés votées par le Sénat. Et normalement, il serait d'avis que l'on puisse également les acheminer. Une vingtaine de propositions. Donc, si vous voulez établir les contacts avec le président de la Chambre des députés pour nous les faire parvenir. Justement, parce que j'en ai parlé au sénateur et Baudot. Député, député. Oh, député. Ah, peut-être qu'il y a des gangs qui se washent. Qui sait? Je parle ensemble avec député Baudot. Et député Baudot gagne pour nous faire une conférence des présidents élargie à des chambres députés et sénat. Et pour que nous débattre sur question ça et puis fixer le mode de fonctionnement nous entre deux chambres non, pour que des lois pas voter dans la chambre députée et puis venir dans le Sénat et puis le Sénat voter et puis pour la chambre députée par chambre voter là ça nous dit n'a pas adopté un ensemble de mesures entre les deux branches du Parlement et par conséquent il faut une commission, il faut une conférence des présidents élargie, chambre députée et Sénat. Très certainement c'est sous peu. Je me dis sous peu parce que je ne vais pas faire date là, mais proposer mieux, même je d'abord garder pour moi en attendant que peut-être que nous normaliser la situation. Nous avons environ une vingtaine. Une vingtaine. Une vingtaine. Ah non, là, vous m'excusez, collègue, il y a une omission de correspondance que nous étions supposé faire lecture de lit. Et fort malheureusement, le premier secrétaire là, pas de bien temps faire lecture de lit. On a permis qu'une fonde dérogation et avec la permission de l'Assemblée des sénateurs pour nous capable permettre que l'Assemblée prenne lecture de correspondance à son correspondance qui vignait et qui fixait la position du groupe des quatre sur la conjoncture actuelle. Premier secrétaire. Monsieur Joseph Lambert, président du Sénat de la République en ses bureaux. Position du groupe des quatre sénateurs sur la conjoncture actuelle. Monsieur le Président. Des sénateurs des quatre? Ok. Je veux parler de Evalier Beauplanche, Nenel Cassi Nenel, cher ami Antonio Pierre Ricard. Haïti, terre de liberté et d'histoire, est, depuis ces 30 dernières années, un pays aux horizons incertains. La misère et le désespoir dépravent le quotidien de la population. L'État haïtien est incapable de subvenir aux besoins de sa population. La situation ne fait que dégénérer de nos jours. La population est livrée à elle-même pendant que la corruption et le gaspillage font la loi au sein de l'administration publique. Rappelons-nous la déclaration du chef de l'État sur le salaire minimum pour les ouvriers, ouvrières. Les jeunes fuit par milliers le pays à la recherche du mieux-être. La situation est chaotique. Conscient de ce drame, le groupe des quatre tient à fixer sa position sur cette conjoncture désastreuse qui frappe le pays. Au-delà du budget criminel qui est en cours d'exécution et qui accuse déjà un déficit de plus de 14 milliards de gouttes, selon Fritz Jean, ex-gouverneur de la Banque centrale, le groupe constate que le pays est en train de subir actuellement le poids néfaste d'une stratégie présidentielle dénommée caravane changement. Sans cadre légal approprié, cette caravane a pour mission de favoriser le vol de l'État et l'enrichissement illicite de l'équipe au pouvoir. Une équipe dont certains des membres ont les mains trempées dans le vol de plus de 3 milliards de dollars américains de fonds de Petro-Caribé. Le groupe dénonce donc la mauvaise gestion du rapport sur les fonds Petro-Caribé par le Sénat de la République. Qui pisait, le gouvernement vient de prélever sans explication et de manière arbitraire 1000 gouttes sur le salaire des fonctionnaires publics. Le groupe réclame la restitution de ce fonds aux employés qui subissent déjà
les méfaits de ce budget criminel. En aucun cas, la population ne peut appuyer le coût de ne peut payer le coût de l'échec de ce gouvernement qui, au lieu de combattre la corruption, ne fait que la renforcer dans les structures de l'État. Monsieur le Président, le groupe observe également, depuis quelques jours, un malaise entre le pouvoir et les secteurs privés des affaires suite à l'arrêté du 1er mars du gouvernement fixant toutes les transactions en gourde sur le territoire. Le groupe croit que le processus de dollarisation du pays doit se faire suivant un processus rigoureux sur le long terme, comme ce fut le cas de la Grande Chine et de l'Iran dans leur échange bilatéral et de la République démocratique du Congo en 2012. L'amateurisme et le piqué devant sont à bannir en matière économique. La preuve est que, depuis sa publication officielle dans le journal Le Moniteur, cet arrêté n'arrête rien. Ainsi, le groupe est bel et bien conscient que ces scandales en série rentrent dans la stratégie du gouvernement pour étouffer les dossiers Petro-Caribé. Mais une chose est certaine, c'est que la population haïtienne en général prend en main ce dossier. En ce sens, le groupe tient à saluer les communiqués de presse du 14 mars de la société civile, représentés par plusieurs organismes de défense des droits de l'homme, dont RNDDH, CONAN, POHDH, CJLAP, SCKL, CRISFID, Collectif 4 décembre, etc., qui croient qu'il y a lieu de nos jours d'établir les perspectives judiciaires du dossier Petro-Caribé. Monsieur le Président, concernant la retraite parlementaire du 12 au 15 mars 2018, présidée par vous, le groupe estime que cette dernière n'a permis d'identifier que deux problèmes majeurs qui rongent le Sénat sans pour autant proposer de solutions. Votre leadership est mis en rude épreuve par le groupe majoritaire. Le groupe profite de cette occasion pour vous informer, Monsieur le Président, qu'il est totalement opposé à l'idée d'amender les règlements intérieurs du corps, du grand corps. L'essentiel pour le groupe, c'est d'obéir, respecter et de faire respecter les règlements au lieu de les violer. Le groupe réclame les sanctions drastiques contre tous ceux et toutes celles qui ont violé les règlements intérieurs lors de la séance du 1er février 2018 et exige que les commissions permanentes soient réparties de façon réglementaire et équitable, conformément à la loi sur les partis politiques. Il profite également de cette lettre pour saluer le courage de certains collègues sénateurs qui continuent de dénoncer le gaspillage des fonds Petro-Caribé. Pour finir, Monsieur le Président, le groupe réclame une explication du gouvernement sur la loi d'urgence lancée 9 mois après le passage du cyclone Mathieu dans le Grand Sud. À entendre la population, on peut conclure que rien n'a été fait pour améliorer sa condition. Alors, où est passé l'argent? Où sont les résultats de toutes ces enquêtes menées sur les différents scandales de corruption dans le pays? Dossier kit scolaire, masse, chèque du ministère de l'Intérieur, non encore en circulation, mais déjà encaissé à la BNC, chèque zombie, etc. Le groupe croit que c'en est trop et dénonce la mauvaise utilisation des fonds du Trésor par le gouvernement pour financer les partis politiques. Et c'est en violation de la loi sur le financement des partis politiques et de la loi du 1er février 2017 sur l'élaboration du budget. Monsieur le Président, à l'heure actuelle, la justice doit prendre sa responsabilité pour mettre derrière les barreaux les corrupteurs. Le Parlement doit cesser d'être un Parlement au service de l'exécutif afin de commencer par jouer pleinement son rôle de contrôle. L'État haïtien a pour obligation de protéger nos frontières, de porter assistance à nos compatriotes qui sont en train de mourir comme des animaux sauvages en République dominicaine et humiliés comme des chiens au Chili. L'Université d'État d'Haïti est malade. Elle doit faire l'objet de réformes qui tiennent compte des réalités de l'heure et des avancées de la science, voire le rapport éducation-commission par Foreign Medical Graduate sur la standardisation des facultés de médecine en Haïti. Ainsi, le groupe croit que le peuple, véritable victime des actes de corruption
est en droit de nos jours de se rebeller si rien ne se fait pour que les choses changent dans le pays. Seule la vérité est révolutionnaire, que le pays gagne. Pour le groupe, Valier Beauplan, Cassine Enel, cher ami Antonio, Pierre Ricard. Deuxième secrétaire, prochain point à l'ordre du jour. Point 4. Lecture de la décision prise à la retraite des sénateurs. Premier secrétaire, veuillez donner lecture de la décision prise par l'ensemble des sénateurs lors de la retraite du 12 au 15 mars 2018. Nous, sénateurs de la République, réunis en retraite au Royal de Cameroun du lundi 12 au jeudi 15 mars 2018, par décision de la conférence des présidents du lundi 5 mars 2018, ayant dressé un inventaire honnête et sincère des causes de la discorde à la base du dysfonctionnement du Sénat, conscient de l'urgence nécessité de redonner au Sénat de la République la validité et l'efficacité qu'attendent les électeurs et la population et les populations du pays, déterminés à trouver ensemble et en concertation les solutions aux conflits et contentieux qui nous divisent et à nous atteler aux attributions de notre fonction parlementaire au bénéfice de l'intérêt général, conscient que le nœud gordien du dysfonctionnement sénatorial est constitué par l'exclusion de la minorité de la conférence des présidents, les séances du 31 janvier et du 1er février 2018 et la résolution qui en est sortie sur la position du corps sur le rapport Petro-Caribé, conscient que seul cet inventaire exhaustif des causes de la discorde et de la recherche, tout aussi honnête et sincère des voies de solutions pour retrouver un fonctionnement régulier, harmonieux et serein du Sénat de la République, avons pris les décisions suivantes. 1. Retrouver le mardi 20 mars 2018 la salle de séance dans la plénitude de l'effectif des 29 sénateurs. 2. Respecter strictement les jours et l'horaire de séance. 3. Se présenter au palais législatif tous les jours de séance dès midi et demi afin de débuter la séance statutaire à 2h PM précise. 4. Respecter scrupuleusement les prescrits du règlement intérieur quant aux prises de parole, au temps de la parole, au nombre des motions, à la durée des motions, à la conformité et à l'éthique du langage et du discours, éviter tout excès de langage, au respect mutuel entre collègues sénateurs, au respect dû au président de séance et au bureau, publié chaque semaine. 5. Publier chaque semaine la liste des sénateurs absents aux séances dans un quotidien à fort tirage, sans omettre de notifier ces absences dans le compte-rendu succinct lu au début de chaque séance. 6. Formaliser le plus rapidement possible la constitution et l'inscription des blocs parlementaires ou politiques, de sorte que les présidents de tous les groupes, majoritaires, indépendants ou minoritaires, puissent intégrer la conférence des présidents. 7. Évacuer les contentieux des séances du 31 janvier et du 1er février 2018. 1. Donnant le mardi 20 mars lecture des comptes rendus succincts de ces séances et en fixer dans une certaine mesure la position du Sénat sur le rapport Petro-Caribé, mettant ces comptes rendus en discussion et en débat avec la participation des indépendants et des collègues de la majorité, concluant de la conformité ou non de ces comptes rendus par un vote de l'Assemblée, respectant scrupuleusement les résultats du vote et ainsi conformant en conséquence. 8. Prendre la disposition pour appliquer les prescrits du règlement intérieur, article 204 et 211, dans la formation de toute commission spéciale ou d'enquête. 9. Franchir ces étapes dans un délai raisonnable et en toute bonne foi afin de ressouder le tissu du Sénat et d'assurer au grand corps un fonctionnement régulier, harmonieux et serein pour la bonne santé du Parlement
de la République démocratique. 10. Saisir la commission éthique et anticorruption de tout manquement au règlement intérieur, à la discipline et à la déontologie. 11. Procéder dans le meilleur délai à un troisième amendement du règlement intérieur au Sénat, chapitre de la discipline et des sanctions. Fait au Royal du Cameroun le jeudi 15 mars 2018 au thème de 4 jours de retraite, de dialogue et de concertation. Décision arrêtée par nous, sénateurs de la République. Joseph Lambert, Pierre-François Sildor, Onodie Lui, Wilfried Jelin, Naoun Marcellus, Denis Cadeau, Ralph Fétière, Richard Hervé Lénine Foucan, Jean-Renel Senatus, Yoré La Tortue, Pierre-Paul Patrice Dumont, Sorel Hyacinthe, Carl Mu. Ja. C'est Ja? Ja. Ja. Pas espagnol, Dominique Henri. Sorel. Sorel Hyacinthe, Carl Muracantave, Kedler Augustin, Wannick Pierre, Jean-Marie Junior Salomon, François Denéus, Ronald Larèche, Jean-Hugo Bélisère, Ronny Célestin. Ça fait combien? En total, 20 sénateurs. Un dissident. Président, je demande la parole. Tout de suite, tout de suite. Oui. Après la lecture de la décision adoptée dans la retraite que nous avons fait des Camerounais, il faut reconnaître qu'il y a une position dissidente sur le point 11 de décision ça, et position dissidente ça a été venue surtout du côté du sénateur Senatus. Il faut que nous avons fait au MACLA et by Assemblée. Prochain point à l'ordre du jour. Non, Président. Oh, excusez-moi, j'avais la parole. Merci, Président. Et, Président, collègue Mouyou, encore une fois, m'a remercié nous. Et jusqu'à présent, on a bien avancé dans l'ordre du jour. Là. Cependant, nous avons une décision, ça, nous avons deux versions qui étaient en circulation sur les réseaux sociaux. Moi, j'estime qu'elle était un peu inélégant, puisque non papier, avant même que le tap remette les bails ou bien voyer le sur les réseaux sociaux, moi-même, moi, j'ai le droit pour me dire au moins jeter coup d'œil sur lui. Pour moi, est-ce que ça m'était entendre moi à collègue moi sur Yoa? Est-ce que c'est ça exactement qui yo fait sortir? Il a songé dans le temps lorsque m'a sorti. Tu as un collègue qui m'a dit, mais est-ce que je vais droit pour signer pour moi? Je t'ai dit non, je n'ai pas droit pour signer, il faut que je lis pour m'endosser. Effectivement, je vais regarder dans ce qui a circulé sur la toile là. Moi, je mettais en article 11 que le sénateur Cantave t'a proposé. Président, il y a un adage qui dit lorsque ou en question ou pas qu'à une question. Ils utilisent souvent en investigation, en criminologie, lorsque ils posent une question ou à répondre une question. Et les journalistes eux-mêmes apprennent, ils disent une question pas répondre par une question. Pour ne pas obéir avec tentation interlocuteur pour ta faire des questions. Moi, je pense que c'est un problème au niveau du Sénat. Et problème non, tout est constaté. C'est à la suite de constat ça, nous avons décidé pour nous faire une retraite, pour nous garder comment nous sommes capables de démarrer avec élan que nous avons démarré, nous avons travaillé là pour le bien de la communauté. Nous avons constaté le problème, après nous avons identifié point par point. Et nous avons dit, nous avons porté solution, parce que nous tous qui viennent là, nous venons travailler, et nous avons pile travail qu'a tant le Sénat haïtien dans le moment où nous n'avons pas. Mais pendant que nous cherchons une solution, ce n'est pas l'occasion pour nous à chercher bail moun responsabilité alors que le tort, dysfonctionnement, quoi doit partager entre eux. Même en matière civile, lorsque il y a des gens qui ont divorcé, si madame n'a sélecté provoquer monsieur en jalousie, le doyen a prononcé divorce, il dit le prononcer au tort des époux. Parce que si
ou pas quitter téléphone ou un petit message chéri là-dedans, madame n'a pas qu'à faire jalousie pour une bataille, donc vous n'avez pas provoqué l'autre, n'a partagé tort. Ça, c'est la pratique. Dans le cas de dysfonctionnement, nous avons un problème. Et le problème, c'est parce que corps a accepté tenu une séance que nous avons annoncé pour le 6, le premier. Et ça a un pile problème entre nous, un pile tralala, un pile comportement que nous jugeons qui est anormal, mais comportement qui a mené nous dans la séance aujourd'hui. L'anormal, président, pendant que nous tapons juger tête nous, pour nous garder comment bagaille là, pendant que gagnent quatre collègues qui ont même dans l'opposition, qui réclament tête de minorité et qui dit yo pat là, parce que yo gagnent même problème ça avec nous, et puis c'est dans le même moment nous dit nous prenons manier règlement intérieur là. Moi je te dis ça clair, président. S'il t'a comme ça, chaque long gouvernement monté, il t'a changé constitution. Il t'a dit, depuis que le monde vient faire manifestation devant le palais national, il a tiré le monde. Et je pense que c'est même idée ça qui a dégagé dans l'opinion et dans la perception que la majorité livrait ses vies contre le monde en tant que Sénat. Pour le faire ça, il demandait pour le passer main dans le règlement intérieur. Là. Or, problème ça n'a pas existé si bureau et majorité pas de côté ont violé le règlement intérieur là dans le cadre d'une séance qui a été fait le 1er février. Ainsi donc, président, il y aurait le nom sage. C'est parce que je pensais, mot sage là, ben nous, qui fait les nous compte entre nous, nous obligés de chercher un côté pour une chita pour nous résoudre le problème. Parce que papa, maman, il y a des problèmes. Mais il faut que vous cachiez en main dans le cas là pour résoudre le problème pour bien Timoun. Moi, je pense que je dis à président, c'est important pour point ça, qui est le problème, non, pour ne passer outre de lui. Parce que président, dit au Parlement, il y a un règlement intérieur là. Je connais. Si ça a l'air d'être un pile collègue, vous regardez qui est-ce qui a mis dehors ici. Et vous avez fait ça en dans le règlement intérieur là. Ça qui a passé dans tête en pile collègue pour dire que tu as remis gagné, il y a un Sénat PHTK seulement. Bon, motion accordée. Salut, président, salut, membre bureau, salut, distingué collègue dans l'Assemblée. Et m'oublier pour motion ça parce que une intervention collègue. Sénatisal très belle, mais d'un côté, moi j'ai quelques petites déviations qui me donnent que bel en même lit, il était commencé. Parce que nous avons une loi votée, ou un règlement intérieur qui concerne tout le monde. Et n'importe quel collègue sénateur qui va respecter et sacrer le règlement intérieur, il est capable de subir sanction. Là, je dis à mes collègues l'arrêter de manière précise pour ne pas essayer de contourner. Travail qui est fait, mon objectif et amendement, c'est pour permettre qu'il y ait plus de discipline dans le Sénat pour que si un collègue sénateur arrive à faire une dérive, eh bien, pour qu'il y ait un moyen pour sanctionner. Parce que je dis, il y a une grosse faiblesse au niveau de règlement intérieur qui fait que n'importe qui collègue doit, dans la séance, il dit, bon, lui-même l'a empêché, le Sénat a fonctionné parce qu'il connaît exactement, il n'y a aucune sanction que le Sénat. Capable de rencontrer parce que par une provision pour ça. Donc, là, sans collègue, nous croyons que nous n'avons pas avancé, mais en essayant par dire ça effectivement que nous-mêmes, en tant que sénateurs, nous n'avons pas visé comme objectif. Merci, président. Merci. Sénateur Sénatus. Merci, président. Président, nous, dans une assemblée politique, dans l'assemblée politique, là, nous n'avons pas qu'à prêter de bonne foi à aucun de mes pères. Nous t'éclairons sous le président, nous te disons que ce n'est pas le moment. Puisque nous sommes en moment de discorde, nous sommes en moment de dysfonctionnement, côté nous avons essayé de chercher à harmoniser nous, et nous avons essayé d'harmoniser par la suite de ça nous qu'a qualifié, entre guillemets, une erreur qui était produite par un groupe ou bien par un autre groupe.
nous te dit c'est pas le moment pour nous penser à le passer mais dans le règlement intérieur là. Donc président, ça c'est clair. Je voulais que s'il vous plaît monsieur dame qui prend note yo, yo consigné ça pour moi parce que le très sérieux. Mais, président. Travail. Président, motion. Deuxième et dernière motion. Oui, président. Moi pense que nous avons une institution. Micro. Une institution qui doit fonctionner avec un statut qui dit comment règle jouer la yé et pour une plus bonne harmonisation, pour un plus bon fonctionnement institution. Et collègue là a parlé de mettre collègue dehors, collègue là connaît constitution dit chaque chambre qui a pris des sanctions contre membre sauf la radiation. C'est dit là pour aucun député ou sénateur, aucun assemblée qui a mis dehors. Mais par contre, si nous avons assemblée, nous pas qu'à comprendre pour chaque monde fonctionner genre vle dans l'assemblée. Si nous avons de problèmes dans le règlement intérieur, c'est 20 sénateurs besoin pour changer de, nous avons toujours fait des changements comme tu as des changements qui ont fait déjà et tu as l'autre changement qui pourrait le faire. Donc, je ne sais pas quoi, c'est deux bagailles de trop. Les n'a dit, mettons un collègue dehors, ça ne va jamais qu'à faire parce que la constitution dit, ou pas qu'à radier aucun membre, aucun encore. Très bien. Ça, c'est à toi. Président, je parle de radier. Mais on a l'air, M. le Président, non passer gagner c'est philosophie et psychologie assemblée ou bien foule là pour nous faire. Moi, non, on assemblée politique. On était très clair, nous dit, Président, c'est pas le moment parce que nous avons cherché à résoudre un problème. Et je me même pour exemple, pour me dire, lorsque madame a quitté message sous téléphone, ni Maria ou ti chéri doudou, qui bon a rencontré, même lorsque pas de rien sérieux, non mais ça n'a pas de jambes de rencontre, mais il y a une certaine provocation qui est capable de permettre divorce la vini. Et le divorce la vini, le président divorce la dit, c'est auteur des partis, parce que tu as gagné provocation. C'est ça, moi, m'a dit, c'est pas le moment. Depuis que je suis venu ici, je commence à passer mes mains dans le règlement intérieur là, avec le sénateur Cantave, avec la Rèche, avec Steven Benoît, etc. Nous commençons à passer mes mains. Mais nous connaissons des problèmes. Par exemple, je dis à ma pli un article qui dit que je ne suis pas sous tribune. Non. Alors que nous, depuis que je suis venu ici, je suis défilé sous tribune. Non. Est-ce que l'article ça a bon? Est-ce que son article pour nous faire un article pour nous amender? Donc, il faut passer mes mains là-dedans. Et je dois besoin de parler. C'est quand je suis campé pour me parler. Donc, ça, c'est réduit. Il y aurait une liberté individuelle moins qui est contraire avec sa constitution et la convention internationale. Maintenant, comprenez bien. Je dis que ce n'est pas le moment puisqu'on a essayé de chercher à résoudre un problème. C'est tout sénateur honnête qui doit entendre pour nous dire qu'on a passé mes règlements intérieurs là pour permettre mon bien travail. Mais je dis à le senti. Persécution, le sentiment, l'autre bagaille qui ne doit pas jamais dans la tête nous. Et pourtant, c'est ça qui a dégagé comme odeur. Très bien. Sénateur Kedler, mais on a précisé. Nous comprenons bien fondé l'intervention sénateur Sénatus. Parce que lorsque il y a des problèmes qui posaient, en dans l'assemblée, et il y a des dispositions que nous prenons, toutes mesures ou bien des dispositions peut-être que nous avons adoptées, dans l'intérêt au meilleur fonctionnement de l'assemblée, nous doit toujours prêter à équivoque. Et sur cette base, oui, il est capable de prêter à équivoque. Mais radiation, par exemple, même pour un sénateur. Mais cependant, vu que sénateur Sénatus, et bon, l'autre collègue sénateur encore qui a soulevé le problème là, à travers la lettre du groupe des quatre. Donc, on doit toujours, dans sagesse, nous, dans la plus prochaine conférence des présidents, nous débattre de questions. Je crois que à chaque fois que mon problème, au lieu que nous allions vers la confrontation, ou bien nous gonfler biceps nous, pour nous dire mais qui est-ce qui est plus fort, mais qui est-ce qui est plus faible, il est toujours plus bon pour nous faire preuve de sagesse et puis pour nous adopter meilleur. Mesures qui sont capables d'aller dans le sens intérêt institution que nous représentons. Par contre, si le sénateur Kedler a toujours intervenu, mais cependant, on croit que nous, sous point ça, on croit que nous clarifions la position bureau par rapport à ça. Sénateur Kado.
pour une dernière intervention sur ce point ça. Merci beaucoup, Président. Moi, saluer mon bureau, collègue assembléen. Président, m'entendez avec un pile intérêt réserve que collègue sénatus gagne par rapport à point 11 dans la résolution que nous avons adoptée dans la retraite là. Cependant, moi-même, moi j'ai un problème. Est-ce que le fait que nous sommes capables de faire retrait 2.11 ans, nous avons certaine assurance que le comportement collègue va changer. Parce que, le président est d'accord avec nous, il y a de dérives qui ont fait dans le moment où nous avons fait séance là. C'est de bagailles intolérables. Par exemple, nous rappelons nos dernières sorties collègues là, et nous avons pour preuve micro ça là, qui sont corps du délit. Monsieur le Président. Nous avons pile l'autre comportement indésirable. Monsieur le Président. Nous avons pile l'autre collègue affiché là. Motion. Est-ce que. Non, quand même, c'est une motion et réglementaire. Je vais toujours quand même aller dans. Et intervenu dans le souci pour nous, qui vient le plus que possible, nous capables d'essayer de calmer le jeu et entrer dans le débat de fond. Yo. Et sénateur Sénatus, quand même pour la motion. Président, moi je dis motion pour me dire à collègue là que le pas gain droit penser le cas jugé yon collègue li. S'il fait ça, la fait en contravention à l'article 74, 75, 77 règlement intérieur là. Lisez pour nous. Et comportement que moi-même m'a gagné, nous toujours dit, moi-même, moi voulais que nous respections le règlement intérieur là, parce que nous sommes sénateurs de la République. Il faut respecter la Constitution. Il faut respecter la tête, nous, parce que nous disons que c'est sage, Président. Maintenant, si nous arrivons à côté, nous avons fait des autres. Mon cher, nous apprenons parmi les Juifs pour me comporter comme Juif. Très bien. Président, et nous assurons, Président, que les collègues ne pas continuer dans la ligne Lyon, parce que nous, notre cadre. Règlement intérieur là. Maintenant, il y avait eu une sanction dans l'illégalité prononcée contre moi. Joue ça, que me contestait, parce que c'est ça que m'a dit tout à l'heure que le collègue n'a pas compris. M'a dit, lorsque il y a provocation, même dans la loi pénale, il y aurait ça, excuse de provocation. Je viens passer mes babouchou, je dis ma bon calotte, sous bon calotte, il y aurait ça, excuse de provocation. Donc lorsque nous décidons, en collègue, pour nous faire ça, nous faire le 1er février. Et puis, chaque fois que je parle, nous 8 camps, nous faisons face ou moins. Tout ça, je suis capable de faire pour nous stopper, nous faire. Le Sénat a décidé de mettre le président. Nous avons un règlement intérieur, Président. Nous avons un article, Président, pour nous dire le sénateur, stopper nous, naturel. Président, qui a continué. Président. Ok, excusez-moi, il y a une deuxième motion du sénateur Dieu Pichet Rubin. Non, c'est motion sur motion. Non, c'est une deuxième motion, le point sur. Par rapport à qui est. Non, parce qu'on commence à parler, le point motion. Non, Président, c'est moi qui ai parlé. Collègue, là, votre motion. Pourquoi même continuer à parler. Très bien. Très bien. Sénateur Dieu Pichet Rubin. Une seconde, s'il vous plaît. Sénateur Kittler, on rappelle à l'ordre quand même. Sénateur, on rappelle à l'ordre. Sénateur Kittler, collègue, parlons-moi nous. On rappelle à l'ordre, s'il vous plaît. Collègue, parlons-moi nous. Et puis, on rappelle à l'ordre, sénateur. On rappelle à l'ordre, s'il vous plaît. Faut dire sénateur, sénatus, on parle. Sénateur, sénatus. Vous n'avez pas la parole, sénateur. Vous n'avez pas la parole, sénateur. Sénateur Kado, vous avez toujours la parole.
et la remarque du sénateur Keder est fondée. Sénateur, merci beaucoup, président. Collègue, là, la motion que le saut prend. Ça me va sanctionner, lui. Collègue, là, la motion que le saut prend. Si que je n'ai pas compris l'intervention de l'homme, tellement comprends ni. Et c'est raison ça fait m'attirer attention en pile d'autres collègues pour nous garantir que le spectacle nous te voit là, nous pas pour encore. Moi, redis, même micro là, combien de micro qui a crasé encore? Combien de verres qui peuvent craser? Président, dépôt dans la loi. C'est moi qui a parlé. Le règlement intérieur là. C'est moi qui a parlé la parole. Président, c'est moi qui a parlé de la parole. Il y a là, bâton, non bon. Pas la parole, c'est moi qui a parlé. C'est moi qui a parlé, pas la parole. Le règlement intérieur, comment face nous? Sénateur Sénatus, ou pas la parole. C'est le sénateur Kado qui a la parole. Oui. Et permettre que moi mène ces instants bien, en façon, s'il vous plaît, en façon pour long, l'autre collègue a peut-être venu. Pour long, l'autre collègue a peut-être venu. Sous deuxième section, vous m'avez dit, président. Oui, c'est un peu cadeau. Vous dérangez comme ça. Et professeur, c'est un peu cadeau. Et il y a la parole. C'est un cadeau à la parole. Président, moi, je regrette de me ramasser et vers là. Je vais mettre là, après ça, le défaire. C'est la loi pour aider. Sénateur, sénateur. Président, je n'admets pas. Le comportement de son collègue. Ne pas l'admettre. Président, mais il faut président, écoutez, c'est non, encore un règlement. Encore un règlement. Sénateur. Après, nous disons après, c'est nos problèmes. Sénateur, nous venons sur nos problèmes. Maintenant, si le problème est sénatus, sénateur, vous pouvez nous mettre là pour le collègue la juger. Sénateur, sénatus. Et bien, prend-il toute sa m'conne dans la rouille, sous la propre Caribéa. Sénateur, s'il vous plaît. Pas de problème, non. Sénateur, s'il vous attaquez. Sénateur, non, il n'est pas possible. Parce que l'information est là où il y a, oui. Non, c'est pas possible. C'est impossible. C'est quand même. Tu n'as pas la parole. Tout comme. Non, on débat contradictoire. Non, sénateur, sénatus. Non, on débat contradictoire. Ou capable pas d'accord avec composition, collègue là. Mais cependant, quand il a la parole, il faut qu'on quitte lui pour faire point. Non. Tout comme quand tu as la parole, m'a exigé de quel que soit sénateur pour bon le temps pour faire point ou non. Sans ne pas déranger. Ben ok, mais cependant, les cassités non. Les gens doivent dire. Non, ils ne peuvent pas juger. Mais c'est un sénateur. C'est un sénateur qui, à n'importe quel moment, capable d'intervenir, tout comme nous-mêmes, intervenir ou dire son pensée. Ok? C'est règle jouette démocratique là. Sénateur Kado, vous avez la parole. Encore la parole au sénateur Denis Kado. Président, moi, j'étais sous ça parce que mes collègues là sortis dans Goni. Moi, campé là. Merci beaucoup. Merci. Sénateur Dieu-Piché Rubin. Président, motion. Non. Un moment avant la motion. Ouais, je lis pour les collègues sénateurs l'article 77. Le président de séance invite un orateur à gravir la tribune, entre autres dans les cas suivant. Oui, visite. A, visite de courtoisie. De courtoisie d'un haut dignitaire haïtien ou étranger. Oui. B, déclaration de politique générale. 3, présentation d'un rapport de mission. D, présentation d'un rapport de commission. E, dépôt d'une motion de censure. F, prestation de serment des sénateurs. G, présentation d'une proposition de loi par un sénateur. H, présentation d'un projet de loi par un membre de l'exécutif. Après ça, dans tout l'autre caillou, un sénateur n'a pas le droit de graver tribunal. Cependant, si nous, depuis jeudi, n'a pas appliqué le règlement intérieur stricto sensu, n'a pas été d'accord pour nous appliquer. Merci, président. Et, mais par contre, Kounyala n'a permis que un membre bureau ait une opportunité de. Bureau étant, eh bien,
est capable d'intervenir. Effectivement. Très bien. Merci, Président. Merci, sénateur. Non, mais... Non, non parce que sénateur, tout sénateur, c'est lui-même qui a la parole. Non pas comme des cadres dérangés à règles, dérangés à audio. On fait en sorte que nous respections scrupuleusement ça qui est écrit dans le règlement intérieur. Et chaque dérogation me fait, nous t'a souhaité que n'importe qui collègue dise que me font dérogation et puis pour me corriger. Merci. Sénateur, Dieu puis Chérubin. Merci, Président. Mais je vais être là, Dieu. Merci, Président. pour clarification, et que la façon de faire. En motion accordée. C'est vrai que je vais être là. C'est pour prendre motion. Vous me dites combien que principe là dur, mais il est accepté par premier secrétaire. Et je crois que tout sénateur là d'accord. Ces principes, ces règlements intérieurs là qui deal, et quel que soit mon nom, obligé de couper. Mais si c'était pour me dire ça, pour pas gagner des noms ou des sénateurs qui refusaient bureau à faire séance. Et les applications, les appliquer sous quel que soit mon nom ou sénateur Sorel Jacinthe, pour ne pas gagner rien pour le dire que lui accepter sa règlement intérieur à dire. À bon entendeur, Monsieur le Président. Salut. Salut. Encore une fois, compliment au sénateur, disons au premier secrétaire du bureau du sénateur, Diépi Chérubin. Merci, Président. Je prends l'occasion ça pour que je fasse une précision. L'éclair pour tout sénateur que y a un vide dans le règlement intérieur. Là. Il n'est pas admissible que si il y a une situation ou une solution pas aller dans l'intérêt dans Jean Yon Mounouel et que le ça pour qu'a abandonner le Sénat pour nom de temps qu'il a voulu, mais sans abandonner les privilèges. C'est inconcevable. Li pas normal, les ou en démocratie, ou en élection, et pas Zamou prend. Motion accordée au sénateur. Sénateur. Oui, Président, prend motion, c'est justement pour demander à collègue Chérubin pour parler créole. Pour parler créole. Le mot privilège. Pour tout le monde comprendre, il a parlé de privilège. Moi, je t'ai remis le plus clair dans ce que pour moi-même, je vais dans la tête moi. Privilège, je l'ai dit, salaire, ça va moins. Comme émolument, il y a les salaires. Bah, je travaille chaque mois au pays, non? L'égal pour moi avec un petit cop gaz, je vais moins. L'égal avec 4 jours, moins. Si je ne suis pas venu travailler, je ne vais pas apprendre. Je vais bien comprendre, collègue. Parlez bien, s'il vous plaît. D'accord. Parce que sinon, si on fait ça, il tombe dans enrichissement illicite. Laissez ça dans la loi 2014 sous corruption. Ou toucher l'argent, qu'on ne travaille pas pour lui. M'a précisé pour dire que li pas nécessaire pour que chaque fois on parle pour faire individualité ou qu'on parle et que on adresse de façon générale. Okay. Je ne m'a pas adressé à collègue sénatus. Non, c'est pas moi-même. Non. D'accord, voilà. Mais c'est clair, mais c'est clair. Voilà, je continue. Merci quand même pour la remarque. C'est bon, bon. Et c'est maintenant tant qu'on dit créole, tout le monde comprend. Oui. Nous dit que oui, il y a un vide dans le règlement intérieur là. Ça nous va passer les besoins corrigés. Général, dans l'élection, nous d'accord quelquefois, monde qui peut être bon, ou qui a mérité bon, et pas lui-même ou est bon. Mais le gars doit le compter, ou gars doit le peuple à voter, le monde savait qu'il y a plus de vote, ou secouter tout, ou accepter ces ligues bon. Il y aurait le ça, principe démocratique. Là où chaque sénateur qui a l'élection, nous voit qui jeune passé, il n'est pas normal tout. Pour que là nous venons là, nous disons mais idée bon. Et si la majorité n'a pas d'accord avec idée bon, laisse pas qu'à gagner le Sénat encore. C'est comme si l'aile bon, nous dit démocratie a bon, l'aile pas bon pour vous, c'est anarchie a bon. Donc, c'est vous d'accord, ou bien ce n'est pas moi qui t'ai doué là comme sénateur, mais c'est l'opinion publique qui va le voir. C'est dans l'élection ou pas le corriger. Mais l'homme là comme sénateur, nous sommes assemblés sénateurs.
Dès qu'il y a un conflit, il y a contradiction dans l'idée, le président a une seule façon pour résoudre ça, c'est passer au vote. Et là, il passe au vote. Il y a 16 qui votaient. Mes amis, c'est ça, démocratie a dit, c'est comme ça ou vin sénateur. C'est qu'on soit vin sénateur. Si vous vin sénateur comme ça, c'est pour qu'il continue dans l'assemblée comme ça. Cependant, position PAM président pour Kounia, puisque nous pas qu'à dire que nous avons quand même une prise de conscience qu'après. Moi-même, je ne suis pas un jusqu'au boutiste, nous sommes centristes. Nous avons toujours dit, président, dans le cas ça, moi contre tout avec collègue sénatus, que moment ça approprié pour nous amender le règlement intérieur. Là. Sinon, un pays comme nous, elle a déroulé là, Kounia dans le pays. Moun yo pa kon ki dossier pour yo prendre en ki lè. Moun kap fè pays tout côté kon ki dossier ki lè ki moment. Et c'est ça que nous besoin stratégie pour nous comprendre. Moi m'après dit li encore, moi appuyer idée collègue là. Nan recherche harmonie n'a fait pour nous avancer là. Nous connaît règlement intérieur là doué amendé. Gen trop vite là-dedans. Mais nous pas qu'à faire le kounia parce que pas bail monde vaccin elle malade. Par conséquent, moi-même tout moi d'avis président que nous pas amender règlement intérieur la kounia dans résolution ça si nous voulez, m'ta proposer tout que nous retirer article 11 là, mais ça va prendre longtemps nous qu'on commence à rire ensemble, nous comprendre, nous d'accord, nous passer sous ça et puis nous toutes nous retourner sous lit ensemble pour que une prochaine fois nous pas offrir une série de spectacles à communauté à cap garder. Merci président. Oui, nous prenons acte d'intervention du premier secrétaire là, sauf que la décision li prend déjà. Article 11 là, li maintenu. Débat, gen doit faire sur li kounya en conférence des présidents pour juger de l'opportunité ou non de appliquer li à qui moment pour que nous fassions ça. Parce que toute précipitation ou bien si nous pas juger bien de timing pour nous faire là, li gen doit prêter à équivoque. Et là, ça, rien ne dit que dans qui sens et qui article que vous allez porter amendement sur lui. Sauf que moi-même, comme président là, je suis content sous présidence PAM. Nous avons adopté vraiment dans le régime sanction des sanctions qui ont été en pitch. Et parce que moi-même, j'ai souffri de lui pendant ma l'air. Son façon pour l'homme en bas, dans l'année Cap Vigno. Pour que au moins l'autre président qui l'a pas enduré, ça que moi-même adapte, m'a pas enduré là. Peut-être qui sait. C'est le sénateur Sénatus qui est en l'air. Le sénateur Dumont, c'est le sénateur Frosnet, c'est le sénateur Cantat, c'est le sénateur Kilder, n'importe. Mais cependant, ça m'apprend là, m'apprend l'autre président prenne. Parce que moi-même, je suis content que vraiment, dans le régime sanction, discipline, et ça fait demander pour la commission éthique là, eh bien, il faut que la commission éthique là active là, parce que le règlement intérieur, ce qui a trait à la commission d'éthique, il est clair tout. Lorsqu'on une dérogation qui fait en règle, il faut que la commission d'éthique là intervenue. Parce que la commission éthique là, ce n'est pas éthique anti-corruption sous gestion. Ben, c'est éthique tout à l'intérieur même de Sénat et dans le fonctionnement tout. De toute façon, quoi que la commission éthique là est saisie de questions et n'a passé la parole par le président de la commission éthique là avant que nous avancions avec le point suivant. Merci, sénateur. Alors, il y a deux points notables et soulevés, président. Quand il y a une radiation pour un parlementaire, en cas que bon décision définitive de justice, dont chose souverainement jugée, et le ça, il y a gagné. Donc, au niveau de la constitution, il est clair. Et on t'a dit premier secrétaire là, c'est pas toute décision nous prend. Bon ici nous va prendre avec 16, nous prend la majorité des membres présents. 16 là c'est simplement pour gouvernement, le n'a ratifié ou bien le n'a vont ministre aller. Donc faut nous d'accord principe vote là qui fait toujours à la majorité des membres présents. Moi voulais dire tout simplement c'est la loi de la majorité quand on est en démocratie. Depuis 16 sénateurs chitan d'assemblée à bon, maintenant le quorum. Le quorum. Très bien. Merci. OK. Et ne pas négliger aspect majorité qualifiée de 20. Oui, la majorité qualifiée. Prochain point à l'ordre du jour. Deuxième secrétaire.
Non. Non, oh. Pardon. Le point 5. Il est en train de dormir. Point 5. Lecture du compte rendu. Bon, nous mettons quand même ballon lecture de l'article. Mais cependant, nous avons rappelé encore, nous avons débat sur compte rendu succinct séance 1er février. Merci. On lecture quand même de l'article 207. 207, sénateur. Sous réserve que la justice ne soit déjà saisie des faits et actes en cause, le Sénat a le droit de contrôler et d'enquêter sur toutes les questions dont il est saisi, faits et actes qui sont de nature à conduire à des sanctions disciplinaires ou pénales, reprochées à ses membres ainsi qu'aux responsables des services publics et des organismes autonomes utilisant des fonds de l'État. Merci. Très bien. De toute façon, son motion qui était prise sur le sénateur Sénatus n'a précisé. Et quand même, pour le sénateur Sénatus, vu que c'est moins que dit, il t'a adressé question pour le bureau. Hein? Content que le collègue l'a voté précision ça. Mais comme nous avons un procès verbal séancio, nous appelons pour nous ce qui dit de l'article. De débat qui a fait sur l'article. C'est à la page 8 de procès verbal séance 31 janvier. C'est-à-dire, à cette phase de débat, le sénateur Sénatus donne lecture d'une lettre qu'il avait adressée au président de la commission sénatoriale spéciale, le sénateur Évalier Beauplan. Après avoir sollicité acte, après la lecture de sa lettre, il demande au président Lambert de sursoir à cette séance. Le président Lambert donne acte au sénateur Sénatus, tout en précisant que sa conviction est presque arrêtée sur l'article 207 du règlement intérieur du Sénat évoqué par le sénateur. Selon lui, il y a une grave incohérence entre ce que dit et ce que fait le sénateur. Peut-être qui ça? Parce que si la justice est saisie et que nous tous connaissons qu'elle est saisie, incohérence que nous déjouons dans, nous pas capable de dire là, a écrit sénateur, dans lettre côté adressée au président Beauplan, pour demander président Beauplan pour lui-même aller enquêter sur le cas de mortalité qui est enregistré, assassinat qui est enregistré sur le président du CSP. C'est CNMP. Et c'est là qu'on y a là un devine flou dans l'esprit, nous, sur quant à interprétation véritable article ça. Voilà. Oui, appel là, on dit que tu as gagné là même tout. Ça a été important pour moi, dit well. Mais ça me voulait attirer attention, malheureusement, ses collègues chez Ruben pas trop saisi côté m'bralé. Côté m'bralé à président, moi qu'on font constat là, ou dit selon selon ou même, il y a une incohérence entre samedi à cet article là lui-même les prévoir. Cependant ça pas une décision. Mais c'est pas sans raison président, moi t'es allé à l'appui de l'article 207 évoqué, l'article 83. L'article 83 qui dit le rappel au règlement ne donne lieu à aucun débat et le président tranche les questions relatives au règlement. Donc là, c'est pour me faire ouais que dans deux rapports que nous avons, là, 31 et le rapport 1er février, il n'y a pas de crasse décision que tu rends. Si pas de crasse décision que le président, dans sa sagesse, il comprendre ensemble avec moi. Que pas qu'à gagner l'autre décision qui vini pas avant que question préjudicielle ça a vidé. Qu'il y a une question préjudicielle qui est dans l'air, et la loi dit c'est président en personne qui pour trancher illico. Il dit illico parce que ça ne donne droit à aucun débat. Voilà, président, je vais noter pour moi aucun débat. Aucun débat. Maintenant, m'rivé non on papier que moi là que collègue Aurélé résolution motion président motion président motion accordée et président me rappelle moi dans un moment dans séance président confus il prend un petit temps
et commencer gagner de collègues et Kettler en particulier intervenu. Et me songer moi-même à collègue sénatrice nous t'a parlé d'une question de moment. L'aime dit collègue sénatrice à quel moment? Il dit ah bon problème. Vrai oui, c'est que tu as une confusion et entre-temps tu as d'autres interventions. Mais moi-même, président, ça m'a été voulu signaler et me reprendre, ça n'a pas dit. Je ne sais pas quoi un problème sous procès, chercher qu'on est ça qui passe là. Et tout mais c'est gagner de fuite en avant qui est véritable motivation. Imaginez, c'est un jeudi à président, c'est l'occasion pour la commission. Tu as fait jaillir la lumière. Bon, c'est vrai, collègue Beauplan dit le malade, mais écoute l'autre membre. Et voilà que collègue Yuri rallonge la quantité de chiffres que le dégain dans le rapport là, et justement, parlant de l'autre rapport. Et puis, il n'y a pas la preuve de dire comment il fait parler dans l'autre là. Donc, c'est là le problème. Yoye. Et c'est ça avec, que... avec encore précision. Alors que le rapport de Beauplan, c'est le rapport approfondi. Oui, c'est... Cela voudrait dire que le rapport Yuri n'existe plus. C'est là... Dans la réalité. Non. C'est le rapport approfondi. Non. Non. Ce rapport n'existe pas. Non, les deux existent. Non. C'est le rapport approfondi. Non. Le Sénat n'est pas lié au rapport Yuri. Parce que c'est le rapport approfondi. Par contre, les éléments contenus dans le rapport Yuri sont des éléments extrêmement importants qui sont capables de permettre que tout commissaire ou bien tout juge ou bien n'importe qui monde cap intervenu, capable de jouer édifier. Président, je vais finir, monsieur le président. Il y a le rapport, président. Il y a l'approfondissement. Les deux se complètent. Justement, oui, mais il n'y a pas qu'à contradictoire. Le rapport approfondi. Il n'y a pas qu'à contradictoire, président. Hein? Non, mais si on met ensemble, président. Président, ma fille. Oui, eh bien. Si, président. Non, les deux se complètent. Non, 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 non. Président, non, non. Sénateur Fosnay. Non, les deux se complètent. Il y a un approfondissement qui devait être fait à partir du premier rapport. Sénateur Fosnay, quand même. Que va faire, ça sort le bail. Mais le premier rapport existe. Sénateur Fosnay. M'a fini. Président, m'a fini motion. Hein? Et moi-même, moi, pas comprendre. Deux contradictions flagrantes comme ça. Entre rapport collègue Yuri et produit. D'ailleurs, je relevé le rapport collègue Yuri. L'IPA. Cité des infractions. Li dit, li constate, gagne un cop qui mal dépensé. Et Kounia, c'est au juge. Après que yo fin découvri faute là, est-ce que c'est une faute administrative? Est-ce que c'est mauvaise foi? Est-ce que c'est cop là ou volé? Et c'est ça qui fait nous-mêmes nous penser que faut la Cour des comptes prononce le d'abord. Et puis finalement, elle dit oui, gagne mauvaise gestion. Et mais comment gagne mauvaise gestion à partir de ce moment, tribunal de droit commun? Donc, m'pa kwè nous avons un problème sous question procès. Nous avons un problème, il y a des gens qui ont utilisé un document, un dossier important pour produire un document qui n'est pas campé. Sous rien, et puis pour vous devant la justice, et je ne sais pas comment document ça capable de servir une base sérieuse d'un jugement, parce que y a une chose qui caractérise la justice, président, c'est l'impartialité et l'indépendance. C'est à toi, sénateur. Président, je vais répondre plus que c'est sur la motion, collègue, moi, vous me dites. Rapport, sénateur Beauplan, tu as dirigé la commission d'approfondissement. Il n'a pas fait faute lorsque il dit, mais qu'il y a infraction de commettre la donne. Il n'a pas fait faute parce que je suis là l'article 218 du règlement intérieur qui dit, dans ses conclusions, le rapport de la commission d'enquête doit indiquer si les faits et ou les actes ayant fait l'objet de l'enquête sont de nature à donner lieu ou non à des mesures disciplinaires ou poursuites judiciaires. Donc c'est clair, il est capable de faire. Mais quand il est là, est-ce que nous avons tout le message là parce que le message n'est pas bon? Ma communication là, nous avons un messager, nous avons un message. Le message est capable de bon, le message est capable de questionnable. Ce qui est important pour moi en tant qu'homme d'État, c'est le message. Pour me prendre message là, pour me garder qui va m'orienter, qui va permettre de nous joindre sans besoin comme résultat pour le pays. Je me tout à l'heure avant, sénateur Denis, te prend la parole. Je me tout noté pour moi, président doit trancher suivant l'article 83 et que ça sous question préjudicielle, il doit trancher illico. Président,
passé outre de questions préjudicielles que nous avons soulevées, moi apprendre de la soirée du 1er février, bon résolution que le Sénat te prend parce que nous étions dans une séance. Que je ne connais pas, nous t'apprends sous ça parce que c'est une question de l'Assemblée municipale, collectivité territoriale, qui vient de voter. Et puis vous, bah, la virée, la virée en Petro-Caribé dans la soirée du 1er février. Maintenant, Président, dans bah, ça, il y a une résolution qui sortit. Je vous en pile pour me joindre en copie dans la résolution. C'est sur le forum bagay Thierry Maya Paul, vous voyez ça avant moi, je prends le moins imprimé. Mais jusqu'à présent, même mon copie n'est pas qu'à gagner. L'aime gagne bagay la président, me dit, faut que moi écris parce que corps, c'est pour nous tous liés. Faut m'écrire nous pour m'attirer l'attention sur quelques petits erreurs qui capable de permettre de ne pas nous trouver bien de yoa, si nous quittons imprimé comme ça dans le moniteur. Bon. Si je me donne ça, sénateur, quand tu as dit, les dîmes, les recevoir les là, nous te prenons pour une fonte correction avant de nous voir aller. Mais président, ça me gagne même comme résolution, je pense que nous avons fait parce que nous n'avons pas de lumière. Yo. Mais puisque c'est sage nous, en tant que sage, les retracter nous sont bon pour nous. N'a pas été bien en bas de la population et de la l'école qui suivent nous là. Président, je veux dire, excellence, tellement je voulais attirer l'attention sur ça, m'a parce que je souffre de lui. Oui. Honorable plutôt. Bon, je dis, honorable président, je suis capable d'informer de ça, m'a là là. Mais la Cour supérieure des comptes voyait ben nous déjà ici à le Sénat. Un rapport, y aurait les rapports sur l'efficacité des dépenses publiques. Yo voyait 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et seulement 2016-2017, yo qui pour voyer ben nous. Ça veut dire président honorable président. C'est un bagage comme si n'a demandé. Et non, contrôle ça que vous faites, il y a un chapitre dans chaque rapport ça vous traite la question Petro-Caribéa qui dit comment Kobla les dépenser, côté qu'il y a des ordres, etc. Il y a une motion du Sénat. Non, je finis de vous dire, président. Non, c'est. Bon, et deux, sénateur Ladon, tu prends une, France ne prend une. Très bien, c'est terminé. Continuez, sénateur. Non, parce que. On a les principes, respecté les principes, oui. Scrupuleusement. Président, donc nous demandons à la Cour supérieure des comptes pour le faire, ça relève en bis in idem. Et ça a été analysé dans le rapport à nous demander pour analyser encore. Donc, pas de motif, puisque le motif là, il répond à elle déjà. Et avant, il y a encore là, la Cour a sauté, rapport là encore, dans le bureau là. Il faut demander au bureau, ou confirmer, il y a trois rapports là. Ça veut dire travail la fête déjà, président. Maintenant, on a l'article 2. L'article 2 dit la présente résolution sera transmise aux autorités compétentes. Article 3 où dit nous allons voir le bail exécutif. Article 4 là où dit nous allons voir le bail la Cour supérieure des comptes. Elle dit même bagaille là, nous répétons dans 3 articles alors que nous avons dit nous allons voir le bail autorité compétente. Et puis nous finissons. Président, mon frère, mon collègue sénateur, honorable sénateur, honorabilissime président, attendez bien frère, ça n'a fait son bagage qui peut aller dans l'histoire. Secrétaire général, là, grand pile respect pour lui par rapport à l'effort qu'il fait pour l'aider nous ici. Il n'est pas d'accord pour un petit monde qui a fait logistique, un petit monde qui lave l'université qui a étudié droit. Qui a fait logistique, qui prend le garde œuvre nous pour la tomber sous ça, président. Pitu. Nous seulement nous faisons en dehors du règlement intérieur là, mais nous faisons peut-être, non, et pas ou même, pas dire ou même, parce que ou même, c'est quand on campé dans tête bureau, on peut comprendre, on peut rédiger, et puis nous voulons faire un bagage pour le pays. Mais, président, ça, son œuvre.
qui a un problème là-dedans en toute sagesse qu'une pas qu'à quitter dans figure moun dans archive pays a président bon bon bagay tout le monde connaît m'bral gen 2 ans et demi ici a si m'raté 2 séances c'est ou bien m'té malade un jour ou bien m'té en voyage pour sénat m'est toujours présent ici a pour mon travail m'pa vle tout président pour un jour m'té venu pour m'té dit m'camper pour ne pas qu'à travail parce que sénatus pas là m'pa bagay comme ça si mon côté m'absent mandé dans carrière là pour est-ce que mon absent non là m'té malade m'dal un docteur m'dal un docteur faut comme ça non bon faut m'dal un docteur faut comme ça maintenant président tendez bien mon frère tout le monde connaît mon travail et si y a pas canne ici on peut qui va des monde qui absent ou même on pas qu'être absence président mais pas là dans même résolution dans même papier dans même moi même voulais attirer attention collègues sous lui que ça n'est pas ta logique pour nous quitter ça à camper devant monde pour ne pas ta font bagaille avec qui ca permettre figure nous comme corps. M'a dit président encore. Non, logistique même dans notre façon rédiger ba ça yo, résolution. Yo dit là on moun que vous dans corps a gagner 2 ou 5 sénateurs qui veulent proposer une résolution, yo initiateur, une résolution. Yo dit faut ou dit qui sénateur qui proposer. Là on fin voter, ou a dit assemblée a voter dans la majorité. Non majorité li. Non ça président yo dit tout moun ki la et nous proposer les nous tout qui voter. Et ben problème là dans le président non logistique. Yo dit non texte de loi m'pa ka utiliser adjectif numéral cardinal et puis m'pa utiliser encore adjectif numéral ordinal. Les deux yo pa matché, c'est pour me faire choix. Ça c'est méthodologie en logistique. Non, ça, président, frère Pam, nous mettez ni numéral ordinal, ni numéral cardinal. Les deux, nous mettez yo. Nous ne pas quitter ça comme ça. Il faut que nous ne qui fait, nous ne pas quitter. Président, nous sommes sortis dans nos séances. Moi-même, sénateur Salomon, sénateur Jacquito, sénateur Patrice Dumont, nous sommes sortis à 6h du matin. Est-ce que nous t'ai dit nous c'est imbécile pour nous perdre une nuit n'a débat et puis dans moment pour nous finir la question pour nous dire nous a fait durer le plaisir après nous fin perdre une nuit m'pakwel mais pour ça moi nous même nous t'ai sorti moi même personnellement me sorti président parce que m'estime me t'a prendre une route là capable faire nous mal effectivement nous prend route là li en gens coché pour nous. Qui route li, président? Moi-même personnellement, pas de compte ça la loi dit sous affaire corruption clairement. À telle enseigne, en 2031, ou à son je me dis, si je vais voter, je demande à l'Assemblée sénateur pour stopper pour nous voter une loi qui a 2 articles. Il y a un article qui prend dit, désormais en matière de lutte contre la corruption, nous pas, la justice pas besoin autorisation spéciale pour casse moun parce que justice nous on li servi ak loyo en loyo président jodi a yo couvri volé en Haïti lorsque c'est ti malheureux ak volé yo mette l'en prison mais si son directeur général son président premier ministre son ministre ou parlementaire pas gen prison facile faut qu'il chercher autorisation spéciale m'te di faut moi ta gon texte comme ça m'ta penser n'a fait un bagage de bien l'homme sorti malheureux président et pas dormi mal dormi mal cherché qui ça la loi dit. L'homme qui ça la loi dit, mal tombé. Président, est-ce que vous suivez moi? Vous suivez moi, président, s'il vous plaît. Mal tombé sous loi 2014, sous question corruption. Dans la loi, ça, président, mal est appelé dans l'article 3. Moi, souci que je dégaine, je réponds ni. Yo dit là, yo loi ça applicable à tout agent public. Et non, deuxième paragraphe là, on dit, tout le monde qui a un mandat exécutif, législatif, administratif, judiciaire, qu'il soit temporaire
ou permanent, loi ça applicable à où? Parce que son loi qui voulait harmoniser avec convention internationale Haïti signé sous affaire corruption. Non même loi ça président. Article 19 là, le Mablil, lui dit procédure qui est applicable en matière de blanchiment des avoirs. Le premier article là, ça veut dire qu'il n'était pas parlementaire, n'était ministre, n'était un juge, depuis qu'il y a des actes de corruption dans le cadre de travail que nous avons fait, la loi ça a permis de poursuivre. Maintenant, le papa est procédure là. Dans l'article 19 là, il dit sont applicables en matière de répression de la corruption les techniques d'investigation prévues par la loi sur le blanchiment des capitaux. Article 19 là, ça veut dire procédure qui est applicable en matière de blanchiment des avoirs, elle est aussi applicable en matière de répression de corruption. Président, mal cherché loi sous corruption. Une joindre loi, mais non même là, publié le 14 novembre 2013. Non loi, président, mal article 38, article 39, article 40. Non, tout article ça, président, il a parlé de la justice qui doit poursuivre les gens en matière de corruption. Président, attendez bien. Là, il y a plusieurs commissions ici, et chaque commission occupée de un bagage, pas vrai? Il y a une commission qui est la commission éthique et anticorruption. Il y a une qui est la justice. Il y a une commission qui est la commission des comptes généraux et des décharges. Commission des comptes généraux et des décharges sont commissions qui sont censées transversales parce que la contrôler, la font travail avec, bien sûr, comme bras technique, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Si c'était la commission, président de décharge, qui était saisie, on n'a pas de problème pour le fond travail, pour le voyer par la Cour, même si la Cour était saisie, le voyer par la commission, et il y a une qui a voyé par l'autre parce que c'est secteur d'activité. Mais nous avons une commission éthique et anticorruption. L'homme de la commission éthique et anticorruption, m'a parlé de corruption, rapidement, nous tombons dans la loi sur corruption. Et c'est la loi sur corruption qui dit que c'est la justice pour me voir le bail. Collègue, moi, je suis toujours erré. Je suis d'accord, je suis erré parce que pas de monde qui fait qu'on est. Moi-même, je dis que ce texte-là, je ne vais pas gagner, je ne vais pas lire, président. Mais, président, ne ferait pas moins. Si vous regardez qui ça est la corruption, vous comprenez, dans l'article, qui article est là encore? Libre moi, voilà. À partir de l'article 5, il dit qui sacre les corruptions. Il dit concussion, c'est corruption. C'est si je travaille dans l'État, je recevoir comme en bas table pour me faire travail. Je vais voter là par exemple, et puis je me dis bon, je en bas table pour me voter dans tel sens. Il y a sa concussion, c'est corruption. Il dit enrichissement illicite, je fais comme. Parce que je fais boîte de nuit, je prends un mineur, je vole, je fais trafic d'influence, enrichissement illicite, c'est crime, ni la corruption. Je dis blanchiment d'autres produits de crime, c'est même bagaille là. Je parle de détournement de biens de l'État, qui même bagaille là. Versement de pots de vin, qui même bagaille là. Président, je fais ça pour me dire qui ça. Délit d'initié qui entre dans acte de corruption et tout. Je fais toute démarche ça pour me dire qui ça, président. C'est pour me circonscrire démarche nous, hein, lorsque la loi dit, c'est devant la justice que le dossier a dû aller, hein, pour me dire oui, au gain raison. Parce que, président, collègue moi, un cas ministre de la justice, yo mette 50 millions de gouttes pour me faire ministère à la marché. 50 millions de gouttes là, je pour construire tribunal avec, par exemple. Moi, prends 50 millions de gouttes là, je construis tribunal là, vrai. Là, allez, mes tribunaux que je construis à 50 millions de gouttes là, c'est vrai. Comme là, bien dépensé parce que je construis. Je construis tribunal là. Mais là, regardez, c'est Natus, construit tribunal là.
avec un film qui relè Anilus Eko. Anilus Eko, Anilus c'est papa. M'gite en fond aux gens, fait papa m'font petit film pour la construire. Tribunal là, Anilus recevoir 50 millions. Bon, Dieu seul saura qui s'est passé entre moi et Anilus. Ils ont laissé un délit d'initié. Mais si moi, prends président, moi dis, viens contrôler KM, KM comptable, moi, pour est-ce que Kobla va bien dépensé. Il y a venu faire audit, il y a pour Kobla était très bien dépensé. Et pourtant, là, ils viennent jouer, c'est Anilus Eko qui te fait tribunal là. Yo ouais, il y a un acte de clientélisme, il y a un délit d'initié. Donc là, je suis obligé de prendre code. C'est la différence qui gagne entre moi-même, dans la vision PAM, la vision certains collègues, et la vision certains autres collègues, dont le sénateur Augustin. Maintenant, président, je conclue pour me dire, nous sommes capables de faire erreur. Moi-même, je suis d'accord pour faire erreur, parce que si nous ne faisons pas erreur, Warrensburg, Bobenis dit, nous ne pouvons pas avancer vers de bons actes, de bonnes actions. Mais si nous persévérons dans l'erreur, ce n'est pas bon. Nous apparaissons comme diable, comme baka, ou beau garçon que nous sommes ici, nous ne pouvons pas apparaître comme Satan. C'est peut-être ça, président. Moi-même, je m'a demandé à Biroua, nous avons une sagesse vraiment élevée pour nous reconsidérer papier et AXA. Oui, oui. Oui. On n'a pas pour. Oui. Président, on t'a dit non, sagesse vraiment élevée. Nous avons demandé à l'Assemblée à nous reconsidérer l'acte ça que nous déposons en toute sagesse. Et pas quitter nous monter orgueil pour nous dire nous avons voté, nous voter net. Parce que un, nous reconnaître que ces séances-là sont tenues de manière irrégulière. Et en plus, ça fuit ces séances-là, c'est un fuit qui a un petit problème. Parce qu'elle doit représenter nous toutes. Si nous faisons ça, président, puisque il y a un juge, Paul Pierre, qui déjà saisi de questions, qui a obtenu réquisitoire au commissaire gouvernement pour commencer le travail, alors que ce dossier Marcel ou Gassan Junior, il y a un juge Jean-Louis qui a avancé, qui a obtenu des gens là-dedans, je pense que nous avons pris un pays à plus de service. Parce que président Sandro Kembe, pour nous finir, si nous disons nouveau élan, Cour supérieure des comptes, il y a un petit centre dilatoire. Dans le sens où après le travail pour nous, on travaille que le fait déjà, que le voyait ben nous déjà. En plus de ça, président, nous connaissons quoi après le travail, la voyait la commission des comptes. Commission des comptes et des décharges, ce n'est pas une commission de travail facile. Sénateur, nous disons que nous là, li aider mais ton petit diligence pour le travail. Conclusive. Donc nous là pour 2-3 ans, pour nous arriver là. Et puis, lorsque vous finissez par aller au niveau de la Cour supérieure des comptes, vous avez fait cassation. Tout ça, c'est le temps qui a passé. Pendant ce temps, président, avant, il y a écrit que vous dites que Timoun Saint-Domingue a maltraité, que Timoun Chili a maltraité. Moi, je parle avec une dame qui est Santiago hier. Il dit petite, li peut aller à l'école. Petite, elle ne peut pas aller à l'école encore. Parce que dans l'école, elle est stigmatisée. Timoun a fauché, elle a balcou. Elle ne peut pas aller à l'école encore. Ça veut dire nous humilier partout. Nous dans la crasse partout, Blanvin fait la trine pour nous, nous avons pile problème. Pour nous faire face à problème ça, il faut nous avoir un Petro-Caribé à rentrer. Et façon qui est plus rapide pour nous rentrer là, c'est par la justice pour nous rentrer. Merci président, est-ce qu'on prend le droit à ce conseil ça? Moi, je voulais espérer, bon Dieu béni. Merci un peu. Nous avons le temps nécessaire à sénateur et pour les élaborer. En façon pour lui capable de faire point de vue l'an passé. Et mais espérer que l'Assemblée prend acte. La parole maintenant au sénateur Dumont.
Non, c'est un de professeur. On va dire une voix pour ça. Dégagez, monsieur Augustin, voulez-vous me perdre du code vocal, moi? Mais pas parler aussi fort, non, avec micro. Merci, président. Merci. Président, nous gagnons pour moi-même trois problèmes jeudi à la. Problème de journée 1er février, côté des collègues, gagné sensation que l'autre collègue, à la vérité, ses amis, m'avaient dit, bah, yo coup de couteau dans le dos. Deuxième problème, nous gagnons, c'est forme résolution. Sénateur Sénatus, saute vraiment bien passé là, dans l'explication la baille, sous faiblesse résolution. Et moi, envie courir dit, c'est sans doute parce que, ou bien, pas de conviction là-dedans vrai, ou bien, parce que tu es un marché pressé, et peut-être que c'est les deux à la fois qui va un mauvais résultat ça. Et troisièmement, nous devons une chance unique pour nous mettre et DPI à aller sur la bonne voie. Même dit nous, nous-mêmes qui dans le Sénat là, députés yo, moun qui ont responsabilité dans le pays, pour nous faire pays entrer dans la modernité, entrer dans le civisme, pour que moun qui connaît yo, si yo pas agi avec conscience, s'écraser à continuer à écraser le pays. Parce que la situation nous y a là, plutôt nous mettez 50 personnes qui, par contre, lui dit tout, occupent le pays, tant pour nous bailler un monde qui est savant, mais qui volant, occupe le pays. Nous posons un problème de majorité. Les gens qui, par contre, lui dit tout, mais qui est honnête, c'est ça m'a parlé. Oui, merci. Merci beaucoup, sénateur Katab. N'a pas ce problème majorité. Ya. Et que majorité votée. La question démocratique gagne pour éviter le despotisme du nombre. Et dès que gagne despotisme du nombre, vote là, il perd une pureté démocratique. Li. Parce que ce n'est pas seulement en question arithmétique. C'est pas. Bonjour, président. Je suis accordé. Très bien. C'est pour dernier despotisme du nombre là. Je dis non à la démocratie. La démocratie, c'est la dictature de la majorité, président. Je vais camper là. La dictature ne sera jamais la majorité. Ne sera jamais la dictature. La démocratie ne sera jamais la dictature. Gombaga Yorele, c'est li tout simplement pas possible pour y aller ensemble. Li antinomique. Maintenant, la majorité, le nombre compté, mais c'est pral ont légitimité de la chose. La chose peut être légale, mais elle n'a pas de légitimité. Qu'est-ce qui se passe précisément avec le vote du 1er février que les uns et les autres s'amusent à appeler champrolique? C'est que yo ouais, yo pas capable de dire, yo obligé de dire. Deuxième mot, monsieur le président. Allez-y. Mot champouel là, dans tout connaît qui ça signifie. Mot champouel là, c'est le on bagaille fait dans nuit dans le champouel, dans le macanda. Oh, vote là, on ne participe là dans tout. Il commence à 4h d'après-midi, il finit à 8h du soir. Donc, ouais, mon champouel là, je dis à tout condamner, moi tout retirer parce que les inapproprié. Parce que le pas fait à minuit, ni en cachette, c'est devant trois stations de télévision de fête, il était fait devant Pacifique, devant TNH, devant Téléguinée, à 4h de l'après-midi, il finit à 8h du soir. Or, l'opéra de champouel, c'est bagaille qui fait à 11h du soir, à minuit, à 1h du matin, à 2h du matin, en cachette. Or, ce n'était pas le cas.
sénateur se tire moi. Là, je dis à tout condamner mon sang, croiser, me retirer, parce que il a des croix, il a approprié. Merci, président. Est-ce qu'on mandait par la même occasion pour sénateur Sénatus retirer mon shampoing d'écran? Oui, mandez vous retirer le président. Continuez, sénateur Dumont. Merci. Shampoing d'écran, il n'est pas seulement référé. Oui. Shampoing d'écran, il n'est pas seulement considéré tant. Il est considéré tout. Président, en cachette là. Président, motion. Justement, nous avons fait deux motions déjà. Justement, Vingé est mal l'aise ça parce que on a senti que 16 voix ça, 17 voix ça, les triomphés sans gloire. Parce que pas de gagner possibilité de débat. Ah oui, le triomphe doit être glorieux. L'aile pas glorieux, l'hygiénant. D'autant plus que gagner une partie importante de population hein, cap veillé cap tant nos bagages qui est important cap sorti la caille nous et puis il sentit que nous et ces deuxième partie hein, nous déresponsabiliser tête nous déresponsabiliser tête nous parce que qui ça résolution on dit L'Assemblée des sénateurs demande à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif d'effectuer une analyse, une vérification et un examen approfondi de la gestion des fonds Petro-Caribé sur la période allant de septembre 2008 à septembre 2016, conformément à l'article 200 de la Constitution et au décret du 23 novembre 2005 modifiant celui du 4 novembre. Le Sénat de la République s'est déresponsabilisé. Je ne reconnais pas les miens. Nous nous sommes déresponsabilisés. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un corps qui a un bras technique, corps qui doit faire travail, la faire, et puis il dit que moi trois gros nègres, plutôt moi mettel à côté. Plutôt c'est petit coup supérieur des comptes qui fait. N'a considéré une situation, le pays est en danger. Gagne 29 moun que la population baille, voyager, analyser, contrôler, évaluer pour nous sauver le pays nous. Et puis nous dit, c'est pas nous-mêmes, c'est l'autre pour qui fait. Il n'est pas possible pour nous faire comme ça. Et c'est peut-être ça, moi je voulais attirer attention, toutes collègues, sous parole. Chateaubriand, commençons par les pauvres et les infortunés, puisqu'ils font la majorité sur la terre. Qui meilleur défenseur, pauvres haïtiens, infortunés haïtiens, capables de gagner? Sinon nous-mêmes. Pas que moun qui dit, le nan résolution, alors, nan rapport là, nous dit, fuck, question, aller au niveau de institution cap combattre la corruption. C'est pas nous-mêmes qui juger, c'est pas nous-mêmes qui va le juger. Mais n'a contrôler. C'est à partir du contrôle là que nous pral permettre institution en Haïti pour qu'ils travaillent sous corruption pour prendre responsabilité à leur tour. Et à ce moment-là, on entend nous. Bon premier rapport. Ça sénateur la tortue saute dit hein, et que l'écrit et collègue Beauplan, commission Beauplan, ils ont préparé. Mais qui s'allie, mes amis? On t'y a fait sémantique que c'est la tête quand t'as vraiment en pile. Gon rapport que nous pas d'accord avec lui. Enfin, pas d'accord. Nous estimons que lui manquait. Nous dit approfondir. Si nous dit approfondir, nous avons parlé de la même chose. Et les approfondissements vini, nous pas d'accord avec lui. Parce que l'impartial, parce que l'incomplet, eh bien, n'a mettez tous deux groupes de commissaires nous yo dans état pour nous faire correction que nous gagnons pour nous faire, puisque on rapport, c'est pour bagarre commissaire l'avenir, il fait, il finit. C'est nous tous dit que le commissaire est
travaille pour l'Assemblée. L'Assemblée a pris un rapport la tortue, l'analyse, mais faute que le gagner, nous discuter. Li prend rapport beau plan, mais faute li gagner, nous discuter. Et puis finalement, nous gagnons une synthèse et parole d'or, mais de, plein de civisme que sénateur Denius saute dit là. Eh bien, précisément, les 40 projets, les 42 projets, t'as besoin de place dans le rapport. Pas t'as besoin de haine dans le rapport. Pas t'as besoin de politique là-dedans. Pays a t'as retrouvé dans un rapport sérieux qui fait pour lui. Alors, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas plus long. Moi, je l'ai dit, je dis, chers collègues sénateurs, peuple haïtien, ti mot corruption, li trop français. Jodi an, nous gagnons un paquet moun qui c'est haïtien, qui la pour défendre pays a, yo c'est pourriture. Son paquet moun qui pourri. Bonsoir président. Oui, son paquet moun qui pourri. Bonsoir président. C'est pour nous ranger pays an. C'est deux derniers gains seulement. C'est fini. Moun, c'est pour nous ranger pays an, pour nous faire que ces moun qui connaît, qui a savoir-faire et qui rime paysan, qui a salaire à toucher parce qu'il a travail, mais qui pas gagne pour plein de voler paysan dans l'état ça. Ça c'est naturel quand tu sautes bail là, moun pas accepter. C'est de cela que nous parlons et c'est de cela que nous devons continuer à parler pour nous-mêmes génération ça. Moun qui dans Sénat aujourd'hui, c'est nous-mêmes. Que nous voulons, que nous ne voulons pas, c'est pour nous sauver pays hein, de la corruption, de la pourriture. Merci, président. Merci. N'a pas seulement précisé. N'a pas seulement précisé. Vu que moi-même, c'est président Sénat, m'a dit que le Sénat est mal placé pour que, à date, il est capable de déterminer et identifier monde qui volait avec monde qui pas volait. Et selon le tribunal, ou bien en première instance, président. Ou bien dans appel, président. Ou bien dans cassation, ça n'a pas les deux cas qui souverainement jugés, qui sont capables de dire définitivement qui est qui volait. Président, même lorsque appel t'a dit que qui volait, l'hypoco, s'il allait dans cassation, il était toujours en présumé innocent. Absolument. Merci. Président Darmé réagit. Non. Président Darmé réagit. Nous sommes apportés précision, mais je ne crois pas que nous sommes capables de brever là. Il y a le sénateur. Monsieur. Non. On prise de parole, c'est ça? Oui. Ou bien on motion tout à l'heure. Oui. Sénateur Bélizère. Je salue encore le président, je salue les collègues, tout le monde du bureau. Président, je suis bien content. Et... Motion, président. Oui. Là, il faut que je dis à Richer. Il faut que sénateur Dumont, pour la motion. Merci beaucoup, président. Merci beaucoup, président. Rapport. Bon. Tant qu'on a l'habitude de faire son lit. Oui. Président. C'est à toi du monde pour la motion. Notre travail de contrôle, contrôler, évaluer, c'est aussi. Sans contrôler là, bonjour. Contrôler ça, ministre a fait. C'est bon, ça, l'administration publique a fait. Ça, nous-mêmes, n'a fait ici. C'est travail, Sénat. Le nous,